Et boum! On recommence direct. Direct dans le feu de l'action. Avec Lomino. Mano. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit là, je vois ce jeu là, mais. Il est bon lui. Oh, dit qu'il est bon. Et qu'il est bon lui. Bon. Il est bon lui. Point de contrôle. Hop, de retour à Beacon. Tranche de Beacon. Sang. C'est trop tard. Mais c'est ça que je voulais faire, il faut moi. Que je l'arrête. Répondez à nos questions. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous hante à ce point? Quel est ce besoin que nous sommes les seuls à pouvoir satisfaire? C'est votre vie pitoyable que vous meurez. Ta gueule! Tête! Pas si pire, tu pètes un mental, les autres s'éteignent. Cool. Wow! Ah, ok. Les patients meurent quand ils sont connectés à la machine? Qu'est-ce que ça veut dire, Jiménez? Après ce que vous lui avez fait. Enfin, ce n'est qu'une supposition. Mais c'est comme si la conscience de Ruben était prise au piège dans le STEM. Et il attaque tous ceux qui essaient d'y entrer. C'est inexcusable. Faut régler ce problème. Nous n'avons pas fait tout ce travail pour rien. Ruvik. Il était dans le STEM depuis le début. Eh bien, il ne mourra pas. Spécial. Il n'a pas toujours été comme ça. Il est devenu catatonique après un événement traumatisant dans son enfance. Sa famille a été tuée sous ses yeux. Les données suggèrent que la synchronisation cérébrale avec Ruben est liée à un traumatisme spécifique. Pour Ruben, la perte de sa propre famille. C'est ennuyeux. Il nous faut une autre corrélation.
quelque chose qui corresponde à un plus vaste éventail d'individus. Ne sont pas assez rapides pour eux. Ils nous demandent des comptes rendus réguliers. Seuls les résultats comptaient au début. Mais voilà qu'ils nous imposent des délais selon leurs besoins. Typique des bureaucrates. J'essaie de pousser Ruben, mais il s'éloigne davantage. Il travaille chez lui et refuse de venir au laboratoire, à moins que ce soit pour travailler sur le prototype du STEM. L'inquiétude me gagne. Mobius doit commencer à se poser des questions sur nous. Il faut une personne rationnelle dans le STEM. Il lui serait possible de neutraliser Ruben. Enfin, Ruvik. Grâce à mes connaissances du système, je pourrais vous être... Il n'en est pas question. Je ne veux pas que vous compliquiez les choses davantage. Nous allons préparer l'un des nôtres. Envoyer quelqu'un d'inexpérimenté, on ne sait même pas s'il pourra revenir. Dans ce cas, nous choisirons quelqu'un de superflu. Superflu. C'est donc comme ça que vous me considérez. Et moi qui vous faisais confiance. ouais, là, il est bien le boss. Non. Ah, c'est le début. Ah ben oui. Sébastien est venu ici? Et oui. Il s'est toujours en train de dormir.
Oh no. Sale para blind. C'est bon, j'en ai assez. Hop!
qu'elle a gardé. Faites ça! Oh non!
Ah! Fuck off! Cochonnerie de merde! Bande de pas bons. Je suis très déçu, Kid. Cette mission est simple, mais vous désobéissez. Heureusement pour nous, il y a toujours un plan B. Ce qu'on vous donne n'est pas toujours dans votre intérêt. L'infusion. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Nous devions savoir si l'un de nous pouvait survivre dans le système. Mais nous ne voulions pas risquer la vie de quelqu'un d'important. Votre rôle était de nous donner l'accès. Et me voilà. Non. C'est Rubik. C'est lui qui fait tout ça. Ça a l'air dangereux. Oh boy. Oh boy. La musique stressante et tout là. Oh là là. Retroussez votre manche. Hey, minute. C'est quoi cette seringue? Pas question que vous me piquiez avec un truc aussi gros. Vous avez donné votre accord, Mademoiselle Kidman. Ne l'oubliez pas. On ne vous veut aucun mal. Mais il y a un protocole à respecter. Et ce protocole, il dit pas que ce serait bien d'expliquer à la personne qui se fait piquer où elle est et pourquoi vous lui faites... Oh, ça fait mal. Et putain.
qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Vous me faites une piqûre et vous me laissez avec cette vidéo en boucle? C'est censé être scientifique, ces méthodes à la con! C'est pas trop tôt. Bon, je peux y aller? Pas tout de suite, mademoiselle Kidman. Comment vous sentez-vous? Pas de maux de tête? De saignement de nez? Hein? Non. Mais j'ai un peu l'impression de flotter. Comme si j'étais sous l'eau. C'est un effet normal de l'injection que vous avez reçue. Il ne nous reste plus que la dernière phase du test à effectuer. Ensuite, vous pourrez partir. Bon, d'accord. Allez-y. Bien. Je vais maintenant vous poser une série de questions. Vous me répondrez en regardant les images affichées devant vous. Ne vous détournez surtout pas de l'écran. Vous comprenez? Ouais. Question numéro 1. Vous êtes-vous déjà senti trahi par quelqu'un de confiance? Vous vous êtes donné à nous. Vous avez fait ce choix de votre plein gré. Quand personne ne se souciait de vous, nous avons transformé votre misérable existence. Nous vous avons donné une raison de vivre. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. En nous trahissant, où irez-vous si vous nous quittez, Kid? Qui vous accueillera? Pourquoi abandonner la cause? Qui essayez-vous de sauver? Un monde qui ne s'est jamais préoccupé de votre sort? Ah ouais, place tourée. Oups. Je suis mêlé dans mes touches là. Bordel. Bordel, je fais n'importe quoi. Hop. Hop. Ouais. Deuxième lettre déchirée, j'ai pas eu la première. Cette machine, ce système, je suis revenu à la vie dedans et je renaîtrai bientôt. Une partie de moi entre en chaque personne que le système touche. Petit à petit, je vous corromprai, je vous consumerai. Je vois un monde où... Qu'est-ce que c'est ça? Complete the hidden letter in the consequence. Ah ouais. Je vois un monde où un simple regard me permettra de me propager. Comme vous l'avez dit, je suis un fantôme, mais maintenant j'ai un autre en chacun de vous. L'homme de Mobius, il est venu ici il y a longtemps poussé par sa soif de pouvoir. Quant à vous, Kidman, même si vous vous échappez, je laisserai ma marque sur vous comme je l'ai fait sur lui. J'ignore comment, mais ils savent tout.
Ils ont même découvert Leslie. Je n'ai plus aucune raison de le cacher. Je vais entrer dans le système et mon retour sera la preuve que tout ça en valait la peine. Et bien sûr, je les convaincrai que je n'ai pas fait ça pour moi, mais dans leur intérêt. Il ne reste que quelques derniers réglages. Ensuite, je nous connecterai, Leslie et moi, au STEM, et je l'activerai. Le signal sans fil devrait être diffusé aux alentours. Je ne garantis rien pour les autres qui l'entendront, mais comme je le dis toujours, la fin justifie les moyens. Mobius verra enfin que je fais partie de ses meilleurs éléments. Ruben n'est qu'un fantôme. Je suis leur sauveur. Leur plan ne vaut rien sans moi. Bientôt, je suis malade. Ok, non mais sérieux, jeu de merde, t'es-tu sérieux? C'est tellement long, reload, c'est tellement long! Oh my god, je tape quelqu'un là-dedans. Oh, come on! C'est tellement niaiseux! Allez, s'il vous plaît! Refusez de nous répondre. Dommage. Est-ce par peur? La peur est une émotion si subtile. Mais c'est lorsque quelqu'un ressent une peur véritable qu'on peut le contrôler. Qu'on peut le façonner. Le STEM est une horreur. Une machine conçue sur le simple principe de la peur. Mais en un sens, il est parfait pour réaliser notre objectif. Vous serez la première. Vous vous soumettrez à cette peur. Ou vous mourrez. Vous servirez d'exemple pour ce que nous allons devenir. Leslie, non! N'y va pas! C'est moi. Je suis connectée. Comme tous les autres. Je dois sortir de là.
pieds, ces grosses portes à métal. Sébastien, éloignez-vous de lui. Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi. Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... ça n'a plus d'importance. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie. C'est Ruvik. C'est lui qui a... Vous avez échoué. Vous aviez une mission et vous avez échoué. Non. Vous n'êtes pas réel. Tout est faux. C'est ce que vous voulez croire, mais je suis bien là. Je vous suis depuis le début. Ce monde est un cauchemar. Mais je n'ai plus peur de vous désormais. C'est bien la preuve que vous ne comprenez rien. Vous devriez avoir peur. On vous tient quitte. Et vous savez ce qui arrive quand on échoue. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous avez rempli votre rôle insignifiant. Ce monde est une prison que vous ne quitterez jamais. Allez vous faire foutre! Ça a assez duré, je vais en finir ici.
Kidman. Wesh! Forte que vous le croyez. Est-ce que vous avez confiance en vous? Du moins suffisamment pour assumer la responsabilité de vos actes? Agent Kidman,
On s'occupe de lui. Combien de temps ça fait ? 37 minutes depuis la première pulsation. Comment on est arrivé là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donnez-moi une minute, j'ai besoin d'y voir clair. Mira, on a besoin de vous ici. D'accord. Mais apparemment, il veut un débriefing dès que vous serez de retour. Mira. Vous avez raison. J'ai échoué. C'était sans compter sur vous. Je vous revaudrai ça. Bienvenue dans le monde réel, Sébastien. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Laissez-le. Ceux-là aussi. Ils n'iront nulle part. Vous non plus. Ça paraît qu'il y a un 2. L'histoire n'était pas finie. Fait qu'elle a libéré Sébastien. Puis l'autre, il est encore toujours là. C'était cool. Menu principal. Ça a répondu à plein de questions, tout ça. C'est, quand tu joues avec Sébastien, ouf, l'histoire est un peu toute. Pêle-mêle, puis là, elle a plein de points qui sont plus clairs maintenant. Mais ça finit quand même en disant personne qui est. Ruvik, encore, on dirait que Ruvik a comme pogné Leslie. Parce qu'avec Sébastien, à la fin, Leslie s'en va. Pour moi, Ruvik est dedans, Leslie pareil. Fait que c'est pour ça qu'elle, elle a pas réussi sa mission de capturer une kid. Ça va être cool. Bon, côté téléchargeable, des exécutionneurs, le dernier. En tant que gardien, infiltrez le domaine des Victoriano et sauvez votre fille disparue. Ah. Oh, c'est le début. Le domaine des Victoriano. Manuel. Oh, oh, oh. T'attends. Oh. Tête de métal. C'est quoi, je veux jouer ça? C'est ça le gardien? Non, ça va pas. Je vais être contre ça. L'exécutionneur. L'exécuteur. C'est des expériences menées sur le système. Examinez le fonctionnement du système des fuites utilisées par le sujet Withers. Félicitez le sauvetage du sujet fille par le sujet père. Mobius. Ouais. Your daughter is trapped within the stem imprisoned by her connection. To free her, you must also connect to stem and eliminate all other subjects from within.
your own, but you shall find that your advantage. Stem's influence will eventually erase your daughter's memory, and she will become another creature of Stem. Ça, c'est vraiment ça. We will support you, but you must act before that is over to happen. Oh, ça, je pense, ça aurait été un vrai DLC fucked up. Qui a pas rapport. Ah ouais, ah ouais. Ah ben ouais. C'est vraiment ça? Je joue un gros tête en métal? En first person? What? Mais c'est qui ont fait le combat mode? Ah! Rap! Je peux grab! Bah! 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 Ok. Ça va être bizarre. Directive Mobius. Établir la synchronisation. Le dernier sujet d'expérience a été inséré correctement et le lien avec la créature à tête de coffre a été établi. Vous devriez pouvoir utiliser notre détecteur pour scanner des traces résiduelles d'émotions fortes. De nouvelles directives seront transmises. Allez au manoir Victoriano. J'ai trouvé une pièce. What? Je peux me crouch aussi. What? Ça, c'est mon inventaire. Ah, mes pièges! Je suis vraiment. What? Je vais esquiver. Ah! Mais c'est donc bien étrange comme mode. C'est vous les avec B et projeter là en appuyant à nouveau sur B. Infliger des dégâts et des nuits jusqu'à ce qu'elle soit étourdie, appuyez sur U pour lâcher une exécution. A dit que tu allais venir m'aider. Quand arriveras-tu? Il y a des monstres partout ici, je vais devenir folle. Rah! Rah! Yo, choc! C'est sûr. C'est sûr qu'ils ont fait un Bioshock truc. Là, il s'est dit, hey, ça va être drôle. First person.
tu trouves des filles. Faut que t'aies trouvé ta fille. T'es un papa. En first person tout d'un coup. Moi je pense que... Moi je pense que c'est ça. Ces gens sont-ils vivants ou sont-ils morts? On peut acheter des armes et des aptitudes. What? C'est vraiment spécial. On m'attendait pas à ça. Écoutons. Ça va être le fun. On va le faire, c'est sûr.